Méditation au contact de vos émotions. Prenez le temps de vous installer confortablement et de regarder ce qui vous entoure. C'est un lieu dans lequel vous vous sentez en sécurité et où vous savez que vous ne serez pas dérangé pendant ce temps que vous accordez. C'est un temps pour vous, un temps pour vous connecter ou vous reconnecter à vos émotions. Et lorsque le moment est bon pour vous, que vous vous sentez en sécurité, fermez les yeux ou baissez le regard et fixez un point. Vous prenez conscience de tous vos points de contact. Les pieds contre le sol, vos mains sur vos cuisses peut-être, les bras le long de votre torse, les fessiers contre le siège. Vous prenez le temps d'observer tous ces points de contact, tous ces points d'ancrage. Vous prenez conscience de votre corps, de votre présence ici et maintenant, de votre place dans la pièce. Vous êtes ici, présent à vous-même, dans l'instant, avec l'état d'être dans lequel vous arrivez. Vous l'accueillez. Vous l'observez avec beaucoup de curiosité. Comment vous sentez-vous là, dans l'instant? Qu'est-ce qui domine? Sensations physiques, des pensées, des émotions? Vous observez tout simplement. Et vous intéressez à votre respiration, sans la modifier dans un premier temps, vous l'observez telle qu'elle est. Est-ce qu'elle est plutôt haute, plutôt basse, rapide ou tranquille? Comment respirez-vous? Observez le cycle de votre respiration, l'air qui entre peut-être par vos narines et qui ressort soit par votre bouche, soit par vos narines. Cet air qui vient remplir vos poumons, nourrir chacune de vos cellules et qui ressort. Un cycle continu, naturel. Puis vous allez modifier votre respiration, si vous le souhaitez, sur de la cohérence cardiaque. 5 inspire et 5 expire. Inspire, 1, 2, 3, 4, 5, expire. 1, 2, 3, 4, 5, inspire. 1, 2, 3, 4, 5, expire. 1, 2, 3, 4, 5, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Expire. Inspire. Expire.
Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et vous cessez. Vous revenez à une respiration plus naturelle. Et vous l'observez à nouveau. Il y a peut-être eu des changements depuis le début. Des nouvelles sensations. Vous observez cette respiration qui se renouvelle. Et vous intéressez à vous-même, à l'ensemble de votre corps et tout d'abord à la zone de votre tête. Vous observez toutes les sensations au niveau de la tête. Toutes ces sensations internes, externes, peut-être les sons, les odeurs, même la lumière que vous pouvez peut-être observer à travers vos paupières, un goût dans la bouche. Vous observez là toutes les sensations au niveau de l'espace de la tête. Puis le cou, toute la zone du cou, les épaules. Observez comment sont placées vos épaules, est-ce qu'elles sont plutôt hautes. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à les baisser un peu, à relâcher cette tension au niveau des épaules, s'il y en a une. Sensation au niveau des bras, du haut des bras en passant par les coudes, puis les avant-bras, les poignets, jusqu'au bout des doigts. Vous observez là toutes les sensations au niveau de l'espace des bras. Et vous remontez vers le thorax. Sensation au niveau des omoplates peut-être. De la poitrine, du cœur. Vous êtes à l'écoute de toutes ces sensations, de tout ce qui se passe là pour vous à cet instant. Dans la zone du thorax. Puis l'abdomen, le devant, l'intérieur, le bas du dos, toute la zone de l'abdomen, le système digestif, vous observez là ce qui se passe dans cet instant. Puis le bassin, les fessiers. Les jambes, les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, jusqu'au bout des pieds. Toutes les sensations au niveau des membres inférieurs. Tout ce qui se passe là pour vous dans l'instant.
Puis vous observez dans la globalité du corps, de la tête jusqu'aux pieds, là, toutes ces sensations qui peuvent vous parcourir à tout moment. Pensées, émotions, sensations, qu'est-ce qui se passe là pour vous, dans l'instant? Et je vous invite à évoquer un mot, une couleur, une image, ce qui vous vient là, quelque chose de l'ordre du positif. Ça peut être un moment récurrent de votre quotidien ou alors un son, une image, quelque chose d'agréable, de positif. Prenez le temps là d'évoquer, de laisser venir à vous. Sans analyser, sans chercher, qu'est-ce qui vous vient là spontanément? Et à l'inspiration, vous allez évoquer ce mot, cette couleur. Et à l'expire, vous allez le laisser se déposer dans l'ensemble du corps, de la tête jusqu'aux pieds. Une respiration à votre propre à votre propre rythme. Vous inspirez ce mot, cette couleur, cette image, et vous expirez, vous engrammez, vous déposez tout ce positif dans l'ensemble de votre corps. À votre propre rythme, inspirez, vous évoquez, et expirez, vous laissez déposer. Laissez se diffuser dans l'ensemble du corps à chaque expire. Et vous inspirez, vous expirez, vous engrammez. Inspiration, vous évoquez ce mot, cette couleur, cette image de l'ordre du positif et vous le laissez s'engrammer à l'expire. Je vous laisse faire quelques respirations à votre propre rythme, en toute autonomie. Et vous laissez cette évocation, vous revenez à vos sensations, à vos ancrages. Comment c'est pour vous là, dans l'instant, après cette évocation du positif? Il y a des nouvelles sensations, des nouvelles émotions, qu'est-ce qui se passe pour vous? Prenez le temps d'observer, toujours sans jugement. Et je vous invite à visualiser un lieu. C'est un lieu que vous connaissez peut-être, ou un lieu imaginaire. Vous visualisez ce lieu sans analyser, sans chercher à comprendre pourquoi il apparaît spécifiquement. Vous l'observez. Vous observez comment vous sentez là dans cet espace que vous visualisez. Peut-être la température, est-ce que c'est un endroit où il fait chaud ou il fait plutôt froid?
Est-ce que c'est en extérieur, en intérieur? Prenez le temps là de détailler cet espace mental. Est-ce qu'il est spacieux, plutôt petit? Est-ce qu'il y a des sons, des odeurs particulières? Des objets peut-être? Vous observez et vous vraiment vous détaillez le plus possible cet espace. À chaque nouveau regard, vous pouvez peut-être observer davantage encore et voir peut-être de nouvelles choses que vous n'aviez pas réalisées au premier regard. Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous voyez d'autres personnes ou d'autres créatures? Quelle est la luminosité? Est-ce qu'il y a des sons particuliers? Vous prenez le temps là d'accueillir. Si ce lieu n'est pas agréable pour vous, vous prenez le temps de l'observer avec un peu plus de recul. Vous prenez conscience qu'à tout moment, vous pouvez partir de cet espace. Cet espace, c'est votre espace intérieur, votre espace émotionnel intérieur. Si vous trouvez qu'il ne ressemble pas du tout à vos propres ressentis actuels, n'hésitez pas à faire les changements adéquats. Mais prenez quand même le temps d'observer avec curiosité cet espace que vous visualisez, cet espace que vous avez convoqué. Qu'est-ce qu'il a à vous dire de vous, de vos émotions? Installez-vous dans cet espace et continuez de l'observer, d'être à l'écoute des messages peut-être qui vous viennent. De ce que votre inconscient vous murmure. Pouvez-vous demander de quoi ai-je besoin là, dans l'instant? De quoi ai-je besoin dans l'instant? Prenez un grand inspire et un grand expire. Vous notez là tout ce qui vous vient. Peut-être qu'une réponse à cette question apparaît. Ou pas, c'est pas grave, elle viendra peut-être plus tard. Vous observez vos émotions là dans l'instant, ce qu'elles ont à vous dire.
Si vous deviez donner une couleur à ces émotions, de quelle couleur ça serait? Qu'est-ce qui apparaît là dans l'instant? Les émotions nous traversent à tout moment de notre vie, à chaque instant. Elles sont de passage. Qu'elles soient positives ou négatives, elles ne durent jamais indéfiniment. Vous accueillez cette réalité. Car même l'inconfort est temporaire. Vous pouvez prendre le temps maintenant de modifier, si vous le souhaitez, ce lieu intérieur. Le modifier comme vous souhaiteriez qu'il apparaisse. Si vous cherchez peut-être plus de dynamisme, plus de joie, plus de sérénité. Vous pouvez faire les ajustements si vous pensez que c'est nécessaire. À quoi ressemble ce lieu maintenant que vous l'avez modifié ou pas? Est-ce que le fait de ne pas vouloir le modifier influe dans votre état du moment, dans votre émotion? Vous observez là ce qui se passe pour vous. Vous accueillez ce qui se présente à vous. Et vous cessez cette visualisation et vous prenez le temps là de reprendre contact avec vos sensations. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous faire une très rapide lecture du corps. Observez ce qui se passe au niveau de l'espace de la tête, du cou, des bras, du thorax, de l'abdomen, du bassin, des jambes, des pieds. Vous reprenez contact avec vos ancrages. Faites votre reprise à votre propre rythme pour revenir dans un état un peu plus vigile quand ça sera juste pour vous. À votre propre rythme, vous pouvez prendre des respirations peut-être un peu plus dynamiques. Et quand ça sera bon pour vous, vous pouvez ouvrir les yeux et reprendre contact avec le monde extérieur. Je vous laisse encore une minute avec la musique pour les personnes qui ont besoin d'un peu plus de temps pour revenir à eux.